Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour ce 9ème épisode de notre let's play sur Darksiders Warmastered Edition. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est toujours dans cette zone de barde, et on doit se rendre à un certain endroit sans se faire tuer par le monsieur le vert. Là c'était très long. En fait, faut le laisser aller le plus lent possible à droite. Mais j'espère que vous allez bien. Je tente cette vidéo comme je disais à la suite de l'épisode précédent. Parce que j'ai envie de jouer, voilà, tout simplement. J'ai envie de jouer. C'est pratique quand même quand t'appuies sur une touche pour le toucher lui et que ça touche à autre chose. Là faut le laisser aller le plus loin possible au fond. Hein. 3. Là, faut qu'il soit là-bas. 3, 2, 1. Oh ! Pareil, vous avez compris le truc. Ah, il est pas assez loin là. Ouais, vous avez compris. Le plus impossible. Mon Dieu. Ouh. Oh là là. Plus d'intensité. Oh. Bon, je tiens à vous le dire, alors, au retour on a l'autre cheval. On a notre cheval. Ah, ça faisait longtemps. Oh, des ennemis. C'est bien, là il y a de l'action non-stop hein, depuis l'épisode dernier. Hein. Il se pense. Ah. Voilà. Encore. Oh, frérot. T'es relou. Voilà. Aïe. Oh oh oh. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ah ouais non. Aïe. Allez, extrêmement mal dit, hein. Ah là là, c'est... Arrête, tu... Oh, c'est... Il est énervant, lui. Ah, vas-y, c'est me... Ah, ouais, c'est toi, là, t'es mort. Ah, il m'a cassé les couilles.
canon à être là, ouais. Bon, il m'a retiré tellement de dégâts. Oh là là. Il m'a fait tellement mal. Quoi? Vous avez vu la vie qui me retirait? En vrai, j'ai bien envie de le garder avec moi, mais il est extrêmement lourd. Pardon pour le petit bruit. Alors, là, mal, c'est affreux hein. Les dégâts qu'ils mettent, c'est... Bon, tu sortais d'où le... Ah vraiment, c'est affreux les dégâts qu'ils mettent. Y avait un truc de cool là. Really? Je l'ai pas vu. Je suis un fils de pute, c'est pas possible hein. Bon après frérot. Alors il y en a plein qui vont dire ouais mais t'es vachement lent. Ouais mais attends les mecs hey, vous avez vu les dégâts qu'ils mettent là? Je me balade que avec ça hein. Je m'en bats les couilles. Au moins pour tuer les gros, au moins pour tuer les mecs qui te balancent des projectiles de 15 mètres quoi genre. Et eux tu es l'enfer quoi. C'est vraiment un enfer. Vraiment. Ah, un plaisir. Ça c'est fun. Ah ouais non mais elle repart rentre. Lâche. On va pas l'utiliser maintenant honnêtement.
je galère pas mal hein, mais... Et je trouve cette zone ultra fun, hein, tout super rythmé. Ouais bon, en même temps, il y a de l'action à chaque fin de jeu. Bah par contre, frérot. Oh. Non, j'ai fait de la merde, trompé de touche. Encore ? Oh c'est trop frère. C'est trop frère, il y a trop de monde. Pourquoi fais-tu ça ? Oh là là. Oh là là. Oh là. Ah, ah bah ouais. Ok. Ok, 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 ok. On se concentre sur un seul par là, un seul hein. Et encore, je me disais, c'est bizarre quand même. D'accord, je me disais, c'est fou. À quoi ça sert d'en mettre autant? Bah maintenant, ouais, j'ai... Étonnamment, j'ai compris. Non. On va le courir par là. Quoi? Aïe aïe aïe. Ah ça suffit hein. Ah ça suffit hein. Oh là là. Oh là mais ça. Oh non, c'est bon. Hey. Ah ça suffit. Ah là, non. Allez. Ah c'est bon. Oh. Ah, je me sens mieux d'un coup. Franchement, qui a eu du mal? Moi. Oui. Moi, oh, avoir du mal. Vous me faites bien rire, jeune homme. Bref. J'ai que 20 ans, hein, je suis pas vieux. Oh, ça recommence. Ah, mais je suis derrière. Ah, d'accord. Ah, le fameux arène. Hein. Bon. Ta mort nous apportera la gloire. Oh. Ah le Stygian du coup. Oh mon cheval. Je peux pas tous vous tuer ça, on est d'accord.
Ah viens. Arrête-toi. Alors j'ai absolument rien hein, pour le jeu, mais là ça peut être un peu abusé là quand même. Aïe. Là. Wow, attends. Arrête. Vous prenez pour des cavaliers, bande d'abrutis. Mais vite, vite, tu me retires. Va avancer partout là. Meurs. Oh mon Dieu. Oh bah oui, vas-y. C'est franchement. Alors, bon, ramenez-vous. Franchement, c'est juste pitié là. Là, c'est ridicule. Franchement, là, ça devient très drôle. Moi, j'aime bien. C'est très drôle, c'est rythmé, c'est fun, c'est amusant. Ah, mais attends, mais ils se battent entre eux? Je comprends plus rien. Moi. Ouais, mais frérot. Attends, parce que... Ouais, oh, ça suffit, là. Tu sembles bien petit, Munici. La première impression n'est jamais la bonne. Voyons ce que tu vaux, cavalier, sur tes deux jambes ridicules. Viens-moi, ruine. Alors, le premier vrai boss. Ouais, en fait, ouais, d'accord, en fait, c'est le même. Bah, après, bon, c'est pas ça. Et bah Donc on va à main nue du coup, j'ai compris. C'est pas le Stygia ? Ça m'étonne. Aïe. Aïe.
Ah mais par contre réellement l'esquive sur ce jeu ça me gave hein. Ça me gave énormément hein. Ouais je fais tellement de dégâts, c'est dingue. Vraiment je j'aime pas trop hein. Ah pour commencer, non mais arrête. Non mais ça c'est bête par contre. Oh non, frère. Ah, je préfère le dire, voilà, ça va, c'est un boss qui va m'énerver rapide. C'est un boss qui peut me faire passer en mode facile. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Non, c'est pas du tout ce que je veux. Voilà. C'est pas du tout ce que je veux, mais moi je vais pas. Désolé, hein, mais je vais pas passer l'année sur le boss, quoi. Et voilà, et en plus, j'aurais peut-être dû un peu forcer plus. Par contre, s'il me laisse mon truc de chaos à chaque fois, ça peut peut-être le faire. Absorbeur d'âme exaltée. Oh, ouais, il y a mon tempête. T'as vu les dégâts qui me retire, c'est dingue. Regarde! Frère! Tu me laisses pas esquiver! C'est dingue! Bon, bah ok, très bien. Bah au moins je vais avoir ma forme de fou là pour la fin, mais. C'est ridicule, putain! Ah ouais, je sais pas trop. Hein. Ah, pour le destructeur, bon lui il travaille pour le destructeur, on l'aura compris du coup. Voilà. Bon. J'ai envie de dire, si on a la forme, honnêtement. On s'en fout un peu, genre si on a la forme. Par contre il me met 4 coups, c'est terminé quoi. Enfin, voilà, ça par contre. Voilà.
un cavalier sans cheval, c'est un peu compliqué. Bon, j'espère que vous avez pas entendu quand j'ai... Ça vous plaît ? J'ai pas trop entendu le casque. Enfin, je l'ai retiré de mes oreilles. Bon, bah là, en fait, on va... Allez ! Enfin, sachez qu'il faut en tuer 50 pour un trophée, donc je sais pas quand on va le faire, mais je sais pas quand on va pas le faire. Enfin réunis, mais on y va. Ce répugnant animal est peut-être notre dernier espoir de trouver le petit chien. Ah, il est pas encore totalement apprivoisé. Hein. Vous voyez par exemple celui de Death, celui du premier, dans le 2, on l'a mais vraiment dès le début. Hein. Dans le 2 on lave au tout début du jeu quoi. Et nous le mettre à ce moment là parce qu'on en a besoin en fait, simplement. Allez, on va aller buter le Stygian du coup. Voilà. À 27 minutes. Ouf. C'est mal les boss par contre. Dans sa gueule. Ouais, faut que je tire dans sa gueule. Ok. Dans sa gueule, ok, très bien. Bon, au moment où on est fixé, le boss va pas être très compliqué. D'accord, c'est le style, c'est Stygian ça. Non, c'est impossible. Répouille à ce plan. Ce plan est magnifique. Non, c'était pas le Stygian. C'est le Stygian. Bon, en tout cas, on a compris comment buter les vers. Ça va. Bien joué. Mais c'était rien à côté du Stygian, le plus grand et le plus mauvais de tous. Et là, le Stygian, c'est un truc tout pourri. J'imagine.
Bon après, honnêtement, la zone est déjà bien plus compliquée que ce que et je crois de toute façon c'est ce jeu. Waouh! Oh non! Ah bah tu vois, toi tu m'avais pas manqué par exemple. Là. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, hein. Oh. Anna. Au secours. Ah. Alors par contre, oh bah, le nombre d'ennemis là, ça suffit genre. Mais moi je peux le comprendre, 4 secondes. L'intérêt de mettre autant d'ennemis, il est où, en fait? Parce que moi, je veux bien. Alors, en fait, c'est une arène. D'accord. Ah, mais au moins, ça peut être clair. Par contre... Oh. Ah, oh, il m'énerve lui là-haut, hein, par contre, il me casse vraiment les plus. Ah, c'est que de péripéties, hein, franchement. 24 minutes. Ouais, on fera l'épisode prochain, si je pense. Ah, je disais ça, mais la Mantoptère, on l'a fait comme ça. On l'a fait assez facilement, et on l'a fait surtout en fin de vidéo, genre. Je vais être honnête, pour moi on est en face du Stygien. Franchement on a 25 minutes, hein. je peux le faire, hein, 25 minutes. Hein. Si on se barre pas, ça se fait. Hein. Si je suis pas de la merde, ça peut se faire. Hein. Franchement... Ah putain, j'y crois zéro. Hein. Franchement, je vous dis, j'y crois zéro. Franchement, à balle perforante. Tu es franchement, trop vas-y, genre. Que tu cherches. Tu es tout aussi sage.
et que puisse. Serait-ce une... Voilà. Salutation. Ah, je comprends. Ouais, j'ai pas tout de la vie. 24 minutes. Est-ce qu'en 24 minutes on peut faire le Stygian? What the fuck? Bon, oui, on peut. Ah, de toute façon, en fait, à cheval, je peux faire que ça. Je vais tous les buter parce qu'il faut. Je rappelle, il faut que j'en fasse 50 morts comme ça. D'accord. Oh là là. Il se libère. Au secours. Et on a 22 minutes, ça peut se faire, mais j'ai très peur. Ça m'a la belle tour derrière. Ça peut se faire, hein, mais j'y crois zéro. Hein. Oh. Oh. Le pire du truc, c'est qu'il est... Là, on peut le faire. C'est parti. Ah.
Ah bah ouais, mais Nathan. Ah, t'es débile. La Benji, là, comme ça, là. Attendez, mais moi, j'ai pas signé pour ça, hein. Attendez. Attendez, mais moi j'ai pas signé pour un boss. Ah. Ok. Voilà, attends, parce que là, il y en a un plein dans ma gueule. Là, c'est le grand, là. Ah. Bon, ça va, c'est que ça, honnêtement, on est bon, ça va. Bon, t'as touché R2, ouais, c'est... Voilà. Ouais, par contre, pas si proche. Rune. Merci. Bah, je sais pas si je dois être rassuré, hein. Vraiment, hein. Le boss a pas l'air dur, hein. C'est fou, mais je sais pas, je pense qu'il y a une phase 2, c'est ça. Ah, il t'en faut des balles pour crever, hein, toi, c'est dingue. Allez, rappelle tes merdouilles. Reste 7 minutes. Allez! Allez! Ça, c'est un très bon Gaspard. Très diffuseur. Allez hop. La seule chose à faire est d'apporter le cœur du Stygio à Samael. Quand même. Tous ces cœurs. Retournerai. J'ai peur qu'on meurt sur la fin. Cœur des élus. Samael a besoin de cet objet doté de puissante énergie obscure pour débloquer l'accès au trône noir. Pierre de vie. Bon. Oh, que d'émotion. Ouais. Oh là 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 là. Il m'a fatigué ce boss. Ouais, surtout qu'il faut pas oublier qu'on s'est tapé un boss. On s'est tapé deux boss dans la même journée. On a récupéré Ruine. Et on a fait le Stygion. Franchement,
Je suis assez content. Je vais pas vous mentir, je suis assez content. J'avais pas tué le Stygien moi à l'époque. Malheureusement, j'avais pas été aussi loin, parce que je crois que je galérais trop sur le boss de l'arène. Mais ouais, du coup c'est bon. Du coup c'est bien. Très content. Oh là là là, potence ardente. On va aller récupérer notre dû. Même Stygien le rampant des cendres pas dans ton sillage. Attends, mais il y a un problème là. Pourquoi? Qu'est-ce que... Alors... Quoi, mais... Attends, mais oh! Ah non, mais là, c'est pas rond. Mais c'est plutôt. Alors. Ah, mais attendez, en fait, c'est une compétence que j'ai achetée, je suis pas au courant. De retour, ça fait longtemps hein. Ah en fait ça fait, ouais ça fait un moment, ça fait un moment, ça fait un moment. Oh, putain, elle était incroyable cette vidéo. Alors, il y a eu un peu de rage, j'en suis vraiment désolé, mais extrêmement bonne hein. Encore un, juste un dernier après guerre. Tu trouveras la tour. Si l'État a tissé sa toile, bien au-delà d'un immense abîme dans le pays des cendres. Ruin a encore besoin de reprendre les forces, mais il pourra tenir la distance. Quant à Silita, rends-toi là-bas, et elle viendra à toi. La mère Arachnée est une collectionneuse. Ceux qui entrent dans son royaume sont dévorés par ses petits. Et ceux qui suscitent son intérêt. Ah, ceux-là ont moins de chance. Eux, elle les garde en vie. Et ils peuvent vivre très longtemps. Assez longtemps pour lui dire des choses. On peut dire qu'elle collectionne les histoires, les informations. Quelles histoires me racontera-t-elle sur vous, Samael? Méfie-toi, ou ta fin sera des plus tragiques. Parfois, le héros meurt à la fin. Mais, cavalier, je préfère de loin les histoires qui finissent bien. Alors, apporte-moi le dernier cœur. Tu me donnes pas un pouvoir ou autre. Non, t'as pas envie. T'as pas envie de me passer un truc intéressant, non? Hop, je fais un petit truc en parallèle. T'as pas envie de me donner un pouvoir. Pont d'âme. Guerre peut désormais accéder au pont d'âme. Cheveux chérine est chargé à travers leurs piliers pour les activer. Oh. Intéressant. On est à 50 minutes. Faut retourner à Vulgrim, du coup. La zone descendre, vous l'aurez compris. Et on va partir pour l'avant-dernière zone du jeu. Mais j'avais dit, hein, entre 10 et 15 épisodes. Franchement, je pense qu'on se rapproche petit à petit de la fin. Parce que là, on va aller buter Silithia, du coup. Buter Silithia, ensuite, on va aller buter Ashra, je sais pas quoi là. Et ensuite, et bah, ce sera le destructeur et ce sera terminé. Voilà. Mais ouais, c'est un excellent jeu, putain. Genre vraiment, ça fait trop plaisir de vous faire ce jeu. Vraiment, c'est trop cool. J'ai combien de thunes?
Je vais essayer de m'arrêter devant le machin. Ça, ça vous fait un petit truc. Patienter. Alors déjà, j'espère que la vidéo Bookworld vous a plu il y a 2 jours. Mais... Ah, c'était fait exprès. Les petits saillots. Ouais, je suis un peu nul. Ça me fait penser un peu au pouvoir dans Prince of Persia sur de 2008. Je peux pas y aller. Ah si, en fait. Ouais, c'est par là. C'est joli. Franchement, je m'attarde pas assez sur la beauté du jeu, des fois. C'est un peu frustrant, je pense, pour certains. J'aime beaucoup. La DA est vraiment, vraiment stylée. Moi, je compte pas tourner 2 épisodes pour aujourd'hui, je continuerai demain. Je tournais cette vidéo le 16, prochain épisode tourné le 17, parce que là, là voilà. J'avais fait... Ah, je peux... Ok. Je pouvais pas. Le fameux puits d'âme. Ouais, j'ai compris, on a compris ce que c'était. T'inquiète pas. Guerre peut désormais accéder au puits d'âme, chevaucher une et charger à travers. Oh. Franchement, je leur dis, hein, moi je prends un kill. Je vais tourner Darksiders. Hein. Franchement, il y a 2-3 moments où je rage un peu, mais dans la globalité, franchement, ça fait plaisir. Hein. Vraiment. Vous savez pas à quoi acheter comme jeu un peu d'action, franchement, acheter Darksiders 1. Et en vrai, vous voyez, ça fait à peu près 2 zones par épisode. Voilà. La ville, ça a pris 2 épisodes, à peu près. 3 épisodes. La zone de Tiamat, ça a pris 2 épisodes. Les Manoptés, ça en a pris 2. Stygian, ça en a pris 2. C'est pas mal. Franchement, moi je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Oh merde! Canopée de fer. Voilà, nous sommes arrivés ici. Et moi, je vais vous laisser là, bien évidemment. Aïe, je vais vous laisser là, bien évidemment. Hein. On a 55 minutes 30. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, personnellement, ça a été, je pense, un des meilleurs épisodes depuis un petit moment. Quand même, j'ai pris énormément de plaisir à vous tourner cet épisode. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. D'activer la cloche de notification, de la partager à vos amis, ça me ferait très plaisir de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à dans 2 jours pour l'épisode numéro 10. Bonne fin de journée, bonne journée, bye bye tout le monde.